Bienvenue à votre émission au cœur des missions. Au sommaire de ce numéro, nous parlerons de l'actualité du moment, à savoir la croisade jeûne et prière du ministère. Dans ce numéro, nous ferons un focus sur l'église de Korogo, au nord de la Côte d'Ivoire. Des nouvelles de l'église de Daloa, au centre-ouest de la Côte d'Ivoire, où des pas supplémentaires ont été posés ces dernières semaines dans l'implantation des églises. Et nous parlerons aussi du dernier week-end d'enseignement tenu dans cette localité dirigée par le pasteur Achille Gogoua. Toutes les églises de la CMCI Côte d'Ivoire sont en plein dans la croisade du ministère tant à Abidjan qu'à l'intérieur du pays. À Korogo, au nord de la Côte d'Ivoire, à 565 km d'Abidjan, les frères se réunissent chaque soir pour la prière de 18h30 à 20h30 au centre de la CMCI, dans la dite localité, précisément au quartier Soba. Dès l'entame de la croisade, le pasteur Roméné a rappelé à l'église de Korogo que c'est un moment de réveil pour la communauté tout entière dans le monde, encourageant ainsi les frères à jeûner et prier victorieusement chaque jour, sans oublier le travail du renversement des idoles du cœur en vue de la plénitude du Saint-Esprit. Aussi, il a souligné que l'église mènera la bataille pour renverser les œuvres du diable contre l'église à travers les faux frères, les ennemis de l'évangile et les démons. C'est pourquoi les rencontres sont baignées par d'intenses moments de prière où les frères prient, insistent avec ferveur pour susciter l'exaucement aux prières élevées à Dieu. Depuis le début de la croisade, ce sont en moyenne 40 frères qui participent chaque jour aux rencontres de prière. Et notons les journées du samedi, les saints se retrouvent pour des sorties d'évangélisation, porte à porte, quartier après quartier. Le dimanche 24 septembre 2023, une assemblée a été implantée à Gbangbosou dans la sous-préfecture de Grégbé. Cette implantation est le résultat d'une mission d'évangélisation de 4 jours qui s'est tenue du jeudi 21 au dimanche 24 septembre 2023. En effet, un certain nombre de frères résidant dans ce campement, dont deux venus à Christ par le biais de la RTVC, se rendaient fréquemment à Daloa pour prendre part aux rencontres de l'église. Le pasteur Achille Gogoua a donc dépêché une équipe de 4 personnes composée du pasteur Assi Bams, du pasteur Jean-Martial Kofi Gbangbo, de la sœur Kwame Yvonne et du frère Dagri Maxime à Gbangbosou. Après l'accueil chaleureux des frères de Gbangbosou, l'équipe s'est immédiatement mise à la tâche avec des rencontres d'évangélisation, d'encouragement et d'exhortation. Cette mission s'est soldée par 10 repentances, 10 baptêmes et 10 brisements de liens malsains. Ainsi, le dimanche 24 septembre 2023, l'assemblée de Gbangbosou a été implantée avec 24 membres, dont 5 dirigeants ont été établis sur l'assemblée. Dans le cadre de la conquête, une assemblée a été implantée le samedi 7 octobre 2023 dans la ville de Daloa, au quartier Sapia. Cette assemblée est située dans la zone de Tazibo, dirigée par l'ancien Koukoua Magloa. Elle est la 32e assemblée de la ville de Daloa et la 8e de la zone de Tazibo. C'est à 17h00 précisément que l'assemblée de Sapia chez le Coupe d'eau a été implantée sous la direction de l'ancien Koukoua Magloa. Avec 11 membres et 4 dirigeants, dont 3 présents, qui ont été ordonnés par imposition des mains. Le 16 et le 17 septembre 2023, l'église de la CMCI du district Sassandra Maraoué a tenu son premier week-end d'enseignement au temple de Daloa de 9h à 17h. Pour cette première édition, les frères sont venus massivement des villes et villages du district pour écouter le message de Dieu.
648 personnes étaient réunies ce week-end pour être enseignées sur le thème « Le chemin d'être disciple ». Pasteur Achille Gougoua, orateur du jour, a dès sa prise de parole lu plusieurs témoignages tirés du livre « Es-tu encore disciple de Jésus ?» du professeur Zacharias Tanné-Formon pour montrer que plusieurs ont cessé d'être disciples parce qu'ils ont refusé certaines exigences que Dieu leur avait demandées. Partons de là, le missionnaire Achille Gougoua a planté le décor en affirmant que ce week-end a pour but de céder aux exigences de Jésus. Chacun, connaissant de manière intuitive ce que le Seigneur lui demande de faire, doit dire oui à Jésus, oui à cette vie que Jésus attend de lui, oui là où il a toujours dit non, accepter ce qu'il a toujours refusé de faire pour Jésus, céder là où il luttait depuis longtemps, le disait-il. Chacun de nous sait d'une manière intuitive ce que Dieu attend de lui. Chacun de nous connaît certaines exigences que le Seigneur lui demande. Pendant ce week-end, il faut accepter. Il s'agira pour chacun de nous de dire oui à Jésus. Il faut noter ça bien. C'est le cœur de tout ce que nous allons faire ici. Il s'agira pour chacun de nous de dire oui à cette vie que Jésus attend de toi. Il y a une vie que Jésus veut de toi. Il y a une vie que Jésus attend de toi. Il faut que tu lui dises oui. J'accepte cette vie. Il a commencé en disant que c'est à ceux qui manifestent le désir de le suivre que Jésus pose ses conditions. Et ces conditions ne sont pas les mêmes pour tous. Se basant sur le passage de Luc 14, versets 28 à 32, il a expliqué qu'un disciple est quelqu'un qui calcule le coût pour suivre le Seigneur, comme l'a expliqué le Seigneur lui-même dans ce passage, en disant que celui qui veut bâtir une maison s'assoit pour calculer la dépense d'abord avant de la terminer. Ainsi, chacun doit méditer pour obéir à Dieu et non pour abandonner ou fuir. Il a par la suite expliqué que plusieurs sont entrés dans ce ministère sans avoir au préalable calculé le coût de leur service à Dieu, de leur appel, de leur consécration, et cela a conduit beaucoup à murmurer, à se plaindre, voire même à abandonner. Il a encouragé les frères à faire cet exercice afin d'offrir au Seigneur un service agréable qui réjouit son cœur. De plus, cela permettra d'être outillé pour mieux servir Dieu sans murmure, sans plainte et dans la persévérance lorsque les épreuves viendront. Il a continué en disant à l'exemple du jeune homme riche que Jésus avait aimé dans le passage biblique de Marc 10, versets 17 à 22, que le Seigneur demande plus à celui qu'il aime. La souffrance, les épreuves et les difficultés ne signifient donc pas un rejet de Dieu ou que Dieu ne t'aime pas. Bien au contraire, cela traduit l'amour de Dieu pour toi. Il faut répondre à l'amour de Dieu. Quand Dieu t'aime, Dieu va te demander des choses difficiles. Quand le choix de Dieu est sur toi, Dieu va te demander des choses difficiles. Est-ce qu'avec 23 000, tu peux acheter des terrains pour construire du best? Il dit, lequel d'entre vous, s'il veut construire une tour, ne s'assoit pour calculer si avec ce qu'il a là, il peut commencer et puis il peut acheter. Est-ce que tu as calculé ce qui va te coûter ton engagement? Est-ce que tu as calculé ce qui va te coûter ton appel? Est-ce que tu as calculé ce qui va te coûter ta consécration? Si tu n'as pas calculé, il faut commencer à calculer. Par la compassion du Seigneur, si tu n'as pas calculé, il faut calculer. Pour que tu aies un service agréable à Dieu. Pour bien remplir les conditions, on fait quoi? On calcule. On ne calcule pas pour démissionner. On ne calcule pas pour laisser. On calcule pour obéir. Qu'est-ce qui fait que les gens murmurent quand ils font l'œuvre de Dieu? Qu'est-ce qui fait que les gens se plaignent quand ils font l'œuvre de Dieu? C'est parce qu'ils ne se sont pas assis pour confronter. Ils ne se sont pas assis pour calculer. Ils ne sont pas assis pour mesurer. Très peu de personnes évaluent. Très peu de personnes calculent.
Ce que tu dois comprendre, c'est que le disciple, c'est quelqu'un qui calcule. C'est quelqu'un qui médite. C'est quelqu'un qui voit ce qu'il va faire pour Dieu là. Qu'est-ce que ça va lui coûter? C'est pour qu'il puisse bien faire, bien commencer, bien continuer et bien achever. Au cours du second jour, le pasteur Achigogwa a rappelé les 9 conditions pour être disciple de Jésus, qui sont entre autres un amour suprême pour Dieu et pour les frères, la séparation d'avec le moi, d'avec la famille et d'avec tout péché, renoncer à tout, porter sa croix et porter du fruit, c'est-à-dire ressembler à Christ et gagner des âmes, et enfin demeurer dans la parole de Dieu. Parlons du fait d'avoir un amour suprême pour Dieu. Il exhortait chaque personne présente à revenir à son premier amour pour Dieu, car Dieu ne veut pas qu'on le serve sans amour, comme nous montre le passage d'Apocalypse 2, versets 1 à 5. Il a aussi insisté sur le fait d'avoir un amour suprême pour les frères, en affirmant qu'il ne faut pas aimer seulement les frères, mais il faut aller plus loin en les aimant comme Jésus les a aimés. C'est d'ailleurs ce que Jésus lui-même commande dans le passage de Jean 13, versets 34 et 35. Suprême pour les frères doit pousser chaque frère à ne pas mépriser, critiquer son frère, ni à murmurer contre lui, à pardonner, à le restaurer, à couvrir ses fautes et protéger sa réputation. Car comme le dit le verset biblique de 1 Pierre 4, verset 8, l'amour couvre une multitude de fautes. Déjà, nous avons parlé ce matin que Jésus a prêché le sermon sur la montagne. Quand il enseignait, c'est ce qu'on appelle les béatitudes. Là-bas, il disait, aimez vos ennemis. Alléluia. Si quelqu'un te maudit, tu fais quoi? Tu le bénis. Il dit, ne rendez pas le mal pour le mal. Si quelqu'un te maltraite, il faut prier pour lui. Si quelqu'un te maudit, il faut le bénir. Ici, il dit, aimez-vous les uns les autres. L'élément qui est nouveau dedans, comme moi, je vous ai aimé. Notez ça bien, il faut noter ça, souligne ça. Tu dois aimer les frères comme Jésus lui-même a aimé. Le disciple doit se poser la question, est-ce que j'aime les frères comme Jésus les aime? C'est pas seulement aimer, oui, moi j'aime les frères, oui c'est bien, c'est intéressant, tu es un bon frère. Mais si tu veux t'évaluer, si tu veux être dans la catégorie des disciples, la condition, c'est que Jésus dit, il faut aimer les frères comme lui-même il a aimé. Et lui, il a aimé jusqu'à même à donner quoi? Sa vie. C'est pour ça qu'on parle d'amour suprême pour les frères. Pas amour simple. Il nous a aimé comment? La Bible dit que Christ même est mort pendant que nous étions quand même pécheurs. Si quelqu'un te maudit, faut le bénir. Pardonnez. Ne rendez pas le mal pour le mal. Ça, c'est le cycle 1. Maintenant, quand tu passes au niveau supérieur, que tu dis, tu viens de ton disciple, il te demande maintenant d'aimer comme lui. C'est pour ça que la révélation, c'est que le niveau supérieur pour le disciple, c'est que tu aimes comme Jésus. Tu n'es plus d'aimer comme tu voulais, mais tu aimes maintenant comme Jésus. Ça, c'est maintenant pour les chrétiens. En posant ses conditions pour devenir son disciple, Jésus veut des gens qui s'attachent à sa personne, qui partagent sa destinée et qui ne vont pas se plaindre car ayant renoncé à tout. Le chemin d'être disciple est un chemin sur lequel on s'engage en sachant ce que cela coûtera et en étant prêt à payer ce prix. Le pasteur Achigogwa a aussi communiqué au peuple un fardeau concernant l'achat d'un terrain à Daloa pour la construction du temple qui va accueillir encore plus de personnes. Le temple actuel ne répond plus à ce besoin. Sur place, des engagements ont été pris. La vente pastorale a été au cœur de ce programme. Plusieurs livres ont été vendus, notamment Le chemin d'être disciple du professeur Zacharia Stanley Formon. Cette rencontre fut très enrichissante et a produit des transformations immédiates au vu des propos recueillis. Et nous avons été convoqués ce week-end, le 16 et le 17 septembre 2023, à un grand week-end d'enseignement. Sur le chemin d'être disciple. Et le Seigneur nous a vraiment béni, le Seigneur nous a enrichi. Nous avons eu plusieurs vérités. La première vérité que j'ai retenue
pour la journée, la première journée, c'est-à-dire hier, le Seigneur nous a dit qu'un disciple doit servir Dieu avec joie. Ça, c'était une vérité qui m'a touché parce que le Seigneur nous a ramenés sur l'attitude du jeune homme riche. Quand il voulait suivre Jésus et que Jésus lui avait demandé de poser certaines conditions, la Bible dit qu'il était affligé et il allait tout triste. Un disciple doit répondre à l'appel de Jésus-Christ. Et c'est cet appel-là que le Seigneur a lancé à l'ensemble des frères hier. Un appel pour servir le Seigneur avec joie, sans tristesse. Je vous présente, je suis le pasteur Bayer Gérard, missionnaire à Vavoua, par la grâce de Dieu. Et nous retournons à Vavoua après avoir été enrichis dans ce week-end d'enseignement qui portait sur le chemin des disciples. Nous rendons grâce à Dieu parce que le Seigneur a permis qu'on puisse redécouvrir encore ce chemin-là à travers les différentes conditions. Depuis ma bord, quand nous avons commencé, Dieu nous a demandé de lui dire oui. Les choses qu'il nous demande depuis longtemps, pour lesquelles on résiste là, il faut qu'on le dise oui. Sinon, le week-end d'enseignement n'aura pas son sens. On va lui dire oui par rapport à ça. Et ensuite, il a expliqué que dans les conditions d'être disciple, il y a des choses que Dieu demande à tout le monde et des choses que Jésus demande à chaque individu. Et la formation d'être disciple, tiens compte de la réponse que tu donnes. Vraiment, on a été vraiment, vraiment enrichi parce qu'on a compris qu'il faut qu'on soit disciple. L'exemple qui m'a marqué particulièrement, c'est l'exemple du riche homme qui était venu voir Jésus pour demander la vie éternelle. Jésus lui a dit, vends tes biens, viens ici, moi. Lui, c'était une condition. Et c'est ce que Dieu demande à chacun de nous. Il y a des conditions que Dieu demande individuellement et sans lesquelles on ne peut même pas avoir la vie éternelle. Je rends vraiment grâce à Dieu pour ces choses-là. Merci beaucoup. À très bientôt. 5 nouvelles âmes ont été gagnées au cours de ce week-end d'enseignement. C'est tout joyeux et avec des pas de danse que les participants se sont séparés. We'll be right back.